un éclair de génie. Tous les mercredis, de 22h à 23h30. Ah mais c'est long en plus ton truc, c'est génial. Des tests de grossesse, c'est long, attention. Vous verrez tout à l'heure, j'ai ramené des petits objets roses. Le directeur des programmes, il en a partout dans son bureau. Ce ne sont pas des stylos, ce sont des choses pour vous tout à l'heure. Les amis, ce soir on parle des Oscars, alors forcément dans la chronique sexe, des acteurs et actrices les plus chauds du show business. Ah, j'adore. Et je vais vous faire une petite surprise à l'avant, je ne vous dis pas. Et on commence tout de suite avec le très sexy Colin Farrell. Il a joué notamment dans Phone Game, Total Recall ou encore The Lobster. The Lobster, j'ai adoré. C'est incroyable. Avec Rachel Weisz, tout à fait. Très mais bon film. Mais Lobster, ça veut pas dire homard en anglais. Oui, exactement. C'est un truc où si tu trouves pas l'amour, tu te transformes en animal. Ah, c'est okay. Un film d'auteur. C'est très auteur, ça joue. Eh bien, ce beau gosse a une particularité. C'est pour ça que je lui décerne l'Oscar du sexe. Non, il ne peut pas faire. Ah bon ? Oui. Il a un gros kiki. T'as vu, hein ? Oh là là ! Ce n'est pas pour ça que j'en parle. C'est qu'il ne peut pas faire l'amour sobre. Oh, c'est horrible. Effectivement, il a des difficultés à monter sobre. Moi aussi, ça m'a gâché mon délire. Heureusement qu'il est pas musulman. des années d'addiction à l'alcool et la drogue l'ont rendu impuissant sobre, mais il se soigne apparemment. Alors, messieurs, dames, est-ce que l'alcool, ça vous aide? Pas du tout. Oui, mais non, la drogue aussi. Mais justement, de prendre un peu trop d'alcool, généralement, ça baisse ta libido. Tu bois pas, toi, tu bois rien. Ben, je bois pas que des smoothies. Ça dépend. Mais j'adore mettre du gingembre dans mon... Oh, c'est vrai que c'est... Dans quoi? Ah oui! Dans mon smoothie! Tu bois pas d'alcool, Maxime? C'est vrai que Maxime, je t'ai dit, tu bois jamais. Ouais, c'est vrai. Oh, une petite coupette de temps en temps. Moi non plus, je bois jamais. Ah bah voilà. Donc, rien à la qualité de cette peau. Bah, je suis la seule alors que. La preuve, c'était ton émission juste avant. Il y a des voilà ce qu'on retrouve. Je suis la seule que ça chauffe l'alcool, bon, c'est pas grave. Non, moi j'aime bien pour embrasser, mais pas pour. Ah ouais. Se mettre dans le bain, passer le pas. Ouais, voilà, petite coupe. Le deuxième Oscar du sexe, Angelina Jolie, elle a admis être une vraie chaudasse quand elle était avec Billy Bob Thornton. Elle faisait du quick sex plusieurs fois par jour, ça veut dire qu'elle niquait vite. Mais du sexe. Elle niquait vite fait, quoi. Ben oui, c'est un petit coup furtif, quoi. N'importe où, n'importe quand, et elle a déclaré s'être calmée une fois mariée avec Brad Pitt. Vous pensez que c'est dommage qu'elle se soit calmée? Ben elle a vraiment dit ça, ou c'est des trucs rapportés? Non, c'est vrai dans une interview. C'est qu'il est pas très fun, le Brad, là. Ben le mariage, ça calme. Mais je suis sûre qu'il est remplant-plan, lui. Ouais. Il a pas l'air très très chaud. Enfin, c'est surtout que quand elle était avec Billy et machin, il faut voir ce qu'ils se mettaient partout dans le nez et tout machin. C'est vrai. Ah ouais, ils étaient addicts tous les deux, c'est ça qu'ils se sont quittés. Le troisième Oscar du sexe, Michael Douglas. Lui, il a fait carrément une cure, lui. Michael Douglas, l'acteur de Basic Instinct, a déclaré avoir une grosse carotte. Oh, ce qui aidait beaucoup au lit avec les femmes. Mais il le revendiquait. c'est le pro du pot-au-feu. Beau, Michael Douglas. Merci, c'est bien ce que je pensais. Il a même dit que quand il a eu un cancer de la gorge, c'est parce qu'il a fait trop de cunnilingus. Oh là là, il a dit ça. Voilà, est-ce que ça vous excite quelqu'un qui se la raconte comme ça sur ses performances sexuelles? Je sais pas si ça m'excite, mais avec du glace, oui, en tout cas. grosse carotte. Même à son âge. Ah ouais, mais quand tu le vois dans Basic Instinct, hier, aujourd'hui et demain, Maxime. Ah ouais, vraiment. C'est intemporel. Moi, ça me dégoûte. Déborah, c'est tout le contraire. Moi, on m'a toujours dit que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en parlent le moins. Un Maxime Cal. Les gars qui sont là toute la journée, moi et elle, je suis sûre que vous... Vous nous cachez des choses. Ah oui. Ah oui, vous devez être un pro. C'est vrai qu'il parle jamais, Maxime. Voilà, il ne parle jamais. Écoutez, je suis très humble. Ça veut tout dire. Je suis très humble. Exactement. Excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Le plus chaud des acteurs d'Hollywood, c'est Russell Brand, sans surprise. L'acteur a déclaré que c'était difficile pour lui de n'avoir qu'une seule partenaire à la fois et préférait avoir 2, 3, 4 ou 5 partenaires en même temps dans le même lit. Alors, autour de la table, est-ce que ça vous attire la multiplicité des partenaires? Non, un seul, fidélité. Qu'est-ce qu'il a montré? Fidélité. Franchement, fidélité, mais vous savez que alors ce n'est pas du tout une expérience personnelle, mais j'avais fait des recherches pour un sujet dans une émission. Son mec est dans la région. Non, mais vous savez, c'est pour ça. Parce que la semaine dernière, c'est un autre discours. Il y a des applications de sexe à trois pour trouver un petit partenaire comme ça. Ah bon? Ouais, comme des Tinder, mais pour avoir du cucu tous les trois. Ah oui? Ouais, je vous jure. Ça y est, hyper drôle. J'arrête pas la technologie. Ça va, et tu trouves du monde autour de chez toi? Je ne suis pas responsable de cette promotion. Et le moment que vous attendez tous, alors je vous ai ramené la démonstration. Une
Savez-vous tout d'abord qu'il existe une cérémonie qui s'appelle les Oscars du X ? C'est la 25e édition et elle récompense les meilleurs scénarios. Et oui, il y a des scénarios. Il y a les Hot d'or en France aussi. Meilleure réalisation et meilleure performance, évidemment. Et effectivement, il y a aussi les Hot d'or qui récompensent également les films X et qui en sont à leur 11e édition. Alors ce soir, pour vous, messieurs, dames, j'ai préparé un Hot d'or spécial VL. J'adore. Donc je vous ai ramené des petits vibromasseurs roses. Quoi ? C'est voilà. Et alors, il y en a un pour tout le monde. Ce trompe-l'œil. Wow. Oh là là. Mais vibromasseurs. Tu n'aurais pas gagné l'Oscar du meilleur effet spécial. Allez, mesdames et messieurs, pour ces t-shirts moulants chaque semaine, pour ces t-shirts moulants chaque semaine destinés à montrer ses performances à la salle de gym, Maxime Cahal, félicitations. Voici votre adore. Merci, c'est très gentil. Je réceptionne avec amour pour mon pectograisse. C'est vrai, il met toujours des t-shirts moulants. Deuxième hot d'or, pour son franc-parler et son légendaire twerk au milieu de la table de VL, Déborah Torjman, voici votre hot d'or. Très fort, mais j'aime beaucoup. Pour ses yeux bleus sexy, ses French kisses et son charme made in France, ce hot d'or est destiné à Anthony Vitorino. Consécration d'une vie. Gagnant, le boss que tout le monde aimerait avoir avec ses phrases de gentleman déterré d'un temps que l'on croyait perdu. Il fait chavirer Kelly Vedovelli, Delphine Westphizer ou encore Isabelle Morandini. J'ai nommé Monsieur Maxime Kelly. Merci. Et un prix spécial pour Kevin. Ah bah merci, parce que là, franchement, ça faisait la prude au bout du machin, qui a une tête à rien faire jamais, qui a rien, merci. Hein. Je vais jamais me tripoter. Pour notre pro du cinéma qui en sait autant sur le cinéma du X, bravo Kevin. Merci quand même.